Father, we give you the praise. There is no one like you. Père, nous te rendons la gloire, il n'y a personne comme toi. We exalt your name. Nous t'exaltons. We give you all the adoration. Nous te donnons toute l'adoration. Take control, Father God, take control. Prends le contrôle, Père, prends le contrôle. Take control, take control, take control. Prends le contrôle, Seigneur. Take control, take control, take control. Prends le contrôle, prends le contrôle. If somebody is watching with me right now, I want you I want you to begin to exalt the name of this our God, this God. Je veux que tu commences à exalter ce Dieu, notre Dieu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, you are blessed, you are blessed, you are blessed. Come on now, let me Laissez-moi vous entendre exalter le nom du Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Welcome to Bacalad Rebecca. Bienvenue. Welcome. Welcome to Rebecca. Bacalad Rebecca. Welcome. Hallelujah. Rebecca. You need to, if you don't know the name, hallelujah, ask, hallelujah. Welcome. Just say welcome. Si, si. Yeah. Yeah. Because the names, because I see the names, but you don't see them. So you just keep on saying welcome, welcome. That's it. Yeah, yeah. Hallelujah. Okay. So, welcome, welcome, welcome in the presence of bienvenue, the Lord. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Where there is fullness of joy. Où il y a abondance de joie. I believe that something good is about to happen this afternoon. Je crois que quelque chose de bon va se passer cet après-midi. Something good is about to happen this afternoon. Quelque chose de bon va arriver cet après-midi. Okay, il va se passer quelque chose de bon. I'm going to start with a prayer. Donc, je vais commencer avec la prière. Yeah. Father God, may you take over the service. Père, may you take over tout le contrôle. This administration of the words. Et prends le contrôle sur le ministère de la parole. And prophecies. Et la prophétie. Father God, may you take over in the mighty name of Jesus Christ. Papa, prends le contrôle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Give us the inspiration that we need. Donne-nous l'inspiration dont nous avons besoin. In order for the service to be excellent. Afin que le service se passe de façon excellente. We are here to learn from you, oh my God. Nous sommes ici pour apprendre de toi, oh Père. Lord God, inspire us today. Seigneur mon Dieu, inspire-nous aujourd'hui. Every plan of the enemy shall be et put tous les under plans our de l'ennemi doivent être détruits. We are more than conquerors. Nous sommes plus que victorieux. We are more than conquerors. Nous sommes plus que conquérants. We overcome in every situation. Nous surmontons toute situation. We are the first and not the last. Nous sommes les premiers et non les derniers. We are above and not beneath. Nous sommes au-dessus et non en dessous. We are the first and not the last, I said. Nous sommes les premiers et non les derniers, je vous ai dit. Thank you, Lord, for your kindness. Merci, Seigneur, pour ta douceur. Thank you for your faithfulness. Merci pour ta faveur. In Jesus' mighty name. Dans le précieux nom de Jésus. Very good. Those of you who are right now online, I want you et to pour ceux qui sont déjà avec nous online, send in your message of amen or shalom. Je voudrais que vous écriviez vos messages de amen, tout message que vous puissiez les écrire. Just show me a sign of life in the name of Jesus. Afin que je sache que vous êtes vivant dans le nom and de Jésus. Also send me love hearts. Et donc envoyez-moi des cœurs aussi. Send me likes. Des likes. And then send me the new one, which is called care. Envoyez-moi aussi celui qui dit que hallelujah, hallelujah. Nous prenons soin des our uns des God autres. Is good. Alléluia, notre Dieu est our bon. Our God is good and all the time notre is good. Dieu est bon et tout le temps il est bon. We are going to carry on from where we stopped last week. Donc nous allons continuer de là où nous étions la semaine dernière. You know, last week we were talking about. Donc, vous savez que la semaine dernière, nous étions en train de parler. We're talking about the 10 keys to unlock your destiny. On parlait des 10 clés nécessaires pour déverrouiller nos destinées. The 10 keys to unlock your destiny. Les 10 clés pour déverrouiller nos destinées. And we started talking about key number one. Et nous avons commencé à parler de la clé numéro 1. Which was for you était, to make your identity, identify your identity. Qui était important pour nous de connaître notre identité. And then the second one we spoke about, crucify the flesh. Et la seconde était de crucifier notre chair. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to, in order for you to maybe remember what's going on, I'm going to share that part of the message.
Donc, afin que vous puissiez vous souvenir de ce dont on parlait la semaine dernière, je vais vous rafraîchir la mémoire en revenant sur cette deuxième clé. So you can see on your screen. Donc, vous pouvez voir sur votre écran. The 10 keys to unlock les 10 clés pour déverrouiller vos destinées. Key number one, identify. Donc la clé numéro 1. Connais ton identité. Your identity. Connais ton identité ou découvre ton identité. Key number two, la clé numéro 2. Crucify your flesh. C'est de crucifier ta chair. Key number three, la clé numéro 3. Be determined. Sois déterminé. Key number 4. La clé numéro 4. You need to keep watch, meaning that you have to be awake. Donc la quatrième clé, c'est de rester éveillé. Key number 5. La clé numéro 5. You have to be devoted to God. Nous devons être consacrés à Dieu. Key number 6. La clé numéro 6. You need to use wisdom. Tu as besoin d'exercer la sagesse. Pour être rempli key de sagesse. Seven, la clé numéro 7. You need to live by the word of God. La clé numéro 7, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Key number 8. Et la clé numéro 8. You have to be prayerful. La clé numéro 8, c'est tu dois être quelqu'un qui prie. Hallelujah. Allez. Key number Hallelujah. 9. La clé numéro 9. You have to live by faith. Tu dois vivre par la foi. Key number 10. Et la clé numéro 10. You need to be courageous. Tu dois être courageux. Hallelujah. God Hallelujah. Is good. Dieu est bon. Now, so this is what we've been talking about since last week Sunday. Donc, c'est ce dont nous avons parlé depuis dimanche passé. We spoke about the first two almost already. Donc nous avons presque fini de parler des deux premières clés. And then we're going to carry on from the third one today. Et donc, nous allons reprendre à partir de la troisième. Hallelujah. So I want you to share, if you can, share our video. Welcome to Sharon Links. Donc, je veux que vous partagiez la vidéo. Bienvenue. Welcome Alléluia. To DD, to Louis, to Living Word. Welcome to all of you online. Bienvenue à vous tous. Welcome to ZB. Et tous ceux qui sont connectés online. Welcome bienvenue à vous. Bienvenue Lauren, à vous tous. Vanessa, welcome to bienvenue à vous, frères et sœurs. Yeah, welcome to every one of you online right now. Bienvenue à vous tous sur le I want you to do me a favor. Hallelujah. I want you Je to veux share. Que vous me fassiez une faveur. I want you to share our video. Come on now, Je do veux que a vous maximum of sharing. Partagez nos vidéos, la vidéo. S'il vous plaît, partagez. Partageons la vidéo dans le nom de Jésus. Share our video in the name of Jesus. Come on now. Partageons la vidéo dans le nom de Jésus, s'il vous plaît. If there is someone that was meant to be online, you don't see it, you need to tag them. Tag the et people. Et s'il y a quelqu'un qui était censé être là ce matin et qui ne l'est pas, taguez-la. Come on guys, let's share. Partageons. So I am sharing right now. Je partage. Because I believe that Parce que je crois there's got to be someone somewhere who needs this video. Quelqu'un certainement qui a besoin de cette vidéo quelque part. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, thank Seigneur. You, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Father God, take control. Take control. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous cet après-midi. Conduis-nous cet après-midi. Parce que nous ne savons pas où aller, donc conduis-nous, Père. Only you can lead us, Father God. Parce que seulement toi peux nous conduire, Père. Lead us, my King of Kings. Conduis-nous. Alléluia. Roi des rois, conduis-nous, alléluia. Somebody. Quelqu'un, allez-y, conduis. Prions. Hallelujah. All right, bear with me while I do my Hallelujah. Share. Hallelujah.
Father, we give you the praise. Parce qu'en avec moi, no alors like je suis you. En train de faire le partage. There is a testimony. La gloire, il n'y a personne comme toi. Somebody, there is a testimony coming your way. Il y a quelqu'un qui a un témoignage. There is a testimony. Il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui va recevoir un témoignage. Comme, qui vient vers vous. Il y a quelqu'un donc qui va recevoir un témoignage. Ronde cela va venir vers vous, au nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Singer, singer. There is a hallelujah, hallelujah. Il y a un témoignage qui vous arrive. Mark my words. Il y a un témoignage qui vous arrive. Mark my words. Marquez mes mots. Marquez mes mots. Notez mes mots. Il y a un Hallelujah. Témoignage qui vous arrive. I am not gonna give you Hallelujah. False prophecy. Je ne vais pas vous donner des fausses prophéties. Somebody, I said there's a testimony coming your way. Il y a quelqu'un qui va recevoir un témoignage. I want you to just take it by force. Je veux que vous le preniez par la force. The Bible que vous says, le receviez par la force. The Bible says, since the day of John the Baptist, la Bible dit que depuis les temps de Jean le Baptiste, the kingdom of God suffered violence. Le royaume de Dieu est violenté. You gotta be violent and take it by force. Et donc vous devez être, nous devons être violents et le prendre par force. Somebody share our video. Quelqu'un partage notre vidéo. Hallelujah. Hallelujah. My God is good. Mon Dieu est bon. Ha, he has done it again. Et il l'a encore fait. There is a woman you are going to discover this week that you are pregnant. Il y a une dame, il y a quelqu'un en ligne qui va recevoir tu vas découvrir qu'elle est enceinte aujourd'hui. I said this week you will discover you are pregnant. Tu vas découvrir cette semaine que tu es enceinte. You have been looking for it for long. Tu as cherché d'un enfant depuis longtemps. But God is manifesting it right now into your body. Mais Dieu le fait maintenant, il le manifeste maintenant dans ton corps. The devil was saying that it is impossible. Le diable disait que c'était impossible. But with God, what is impossible Mais avec Dieu, is possible. Ce qui est impossible est devient le Hallelujah. Possible. Hallelujah. Amen. Alléluia. Great. All right, let's Alleluia. Carry on. Let's carry on. Allons-y, poursuivons. In the book of Jeremiah 29, verse 11, dans le livre de Jérémie 29, au verset 11, the Bible says, la Bible dit that God knows what he's thinking about you. Que Dieu sait ce qu'il pense à notre égard. The Bible says, la Bible dit that God knows what he has planned for you. Qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous. There are plans of success. Il y a des plans de succès. There are plans of healing. Il y a des plans de guérison. There are plans of restoration. Il y a des plans de restauration. There are plans of success in everything. Il y a des plans de succès et pour tout. God made positive plans for you. Dieu a fait des plans positifs pour nous. God made a positive plans for your children. Dieu a fait des plans positifs pour nos enfants. Hallelujah, hallelujah. Alléluia, alléluia. But in order for you and your children to enter the plan, mais pour que tu puisses rentrer toi et tes enfants dans ce plan, in order for you to benefit from that plan, pour que tu puisses bénéficier de ce plan, you have to unlock it. You have to unlock it. Il faut que tu le déverrouilles d'abord. Que tu le déverrouilles. Beaucoup de chrétiens, ils ont la connaissance. They know the words of God. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu. But they don't know how to apply the word of God. Mais ils ne savent pas comment appliquer cette parole. They don't know how to use the keys inside the word of God. Ils ne savent pas comment utiliser les clés dans la parole. They cannot use the keys. Ils ne peuvent pas utiliser les clés. Hallelujah. You Hallelujah. Miss? Yeah. They cannot use the keys. Ils ne peuvent pas utiliser les clés. And that's why, et c'est pourquoi all the knowledge they have, toute la connaissance qu'ils ont is in the spiritual realm. Ça reste dans le spirituel. But it does not manifest in the physical. Mais c'est pas, ça ne se manifeste pas dans le physique. Me, I'm teaching you the word of God. Moi, je vous enseigne la parole de Dieu. According to my knowledge and understanding. Selon ma connaissance et ma compréhension. I will not accept poverty as a believer. Je ne vais pas accepter la pauvreté en tant que chrétien. I don't know you who taught you, but you like to be poor. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a enseigné, mais tu aimes être pauvre.
Me, my God is telling me. Mais moi, mon Dieu me dit that Jesus became poor in order for me to be rich. Que Jésus est devenu pauvre afin que je sois riche. And everyone that we are talking about in the Bible, et toutes les personnes dont on parle dans la parole, God established them high above all their enemies. Dieu les a établis au-dessus de leurs ennemis. They were the first, not the last. Ils étaient les premiers et non les derniers. Jacob was above. Jacob était au-dessus. Isaac was above. Isaac était au-dessus. The father Abraham was above. Et Abraham, le père, était au-dessus. David was above. David était au-dessus. Solomon was above. Salomon était au-dessus. And in the New Testament, Jesus was above. Dans le Nouveau Testament, Jésus était au-dessus. So I'm not going to accept poverty. Donc je vais pas accepter la pauvreté. Poverty comes from the devil. La pauvreté vient de l'ennemi, du diable. That's why God said, I know the plan I have made for you. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je connais les plans que j'ai formés pour It's toi. It's not a plan of poverty. C'est pas un plan de pauvreté. There are plans of success. Ce sont des plans de succès. There are plans of happiness. C'est des plans de joie. There are plans of good marriage. C'est des plans de bon mariage. There are plans of you being fruitful. C'est des plans de que tu sois fructueuse. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I want you to bring love and like, love and like. Je veux que vous mettiez des love, des j'aime et hallelujah. Cliquez sur j'aime. That's it. You know, you need to bring love because there is a woman online right now. Parce qu'il y a une dame online actuellement. And she's been online since we started the live video. Et elle est online depuis le départ, depuis le début de la vidéo. Sad face. Et elle est toujours en train de cliquer sur des tristes, l'icône triste. Uh-huh. So that the video can go off. Comme ça, la vidéo va s'effacer, va s'enlever. But that's not gonna happen. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas so arriver. I want you to keep on clicking the love. Donc, je veux que vous continuez de mettre des j'aime. Yeah, and the and the likes as well. Et des j'aime. Love hearts and likes in the mighty name of Jesus. Des cœurs et des j'aime. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God is good. Dieu est bon. It doesn't matter how the devil is using that woman against the ministry. Ce n'est pas grave de comment le diable utilise cette femme contre le ministère. God is going to expose her. Dieu va l'exposer. Are you hearing what I'm saying here? So you keep on. Vous entendez ce que je suis en train de dire? You keep on clicking the like and the love in Jesus' name. Vous devez continuer d'appuyer sur les cœurs et sur les j'aime de façon récurrente, à continuer d'appuyer dessus, afin que ce qu'elle essaye de faire ne marche pas. God made good plans for us. Donc Dieu a fait des bons plans pour nos vies. Have to begin to possess the plans that God did. Donc nous devons entrer dans la possession de ces bons plans. Are you hearing what I'm saying this afternoon? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire cette Let the favor of God locate you. Que la faveur de Dieu nous localise, vous localise. Let the favor locate you. Que la faveur de Dieu te localise. In the name of Jesus, come on, let's share. Let's Dans share. Le nom de Jésus, et partageons. Keep on sharing. Partageons, continuons de partager. So you see, some of you were meant to be directors. Donc, parmi vous, il y en a qui devaient être directeurs. Some of you were meant to be managers. Il y en a d'autres qui devaient être des managers parmi vous. But right now, you don't know what to do with your life. Things are blocked. Mais, en ce moment, tu ne sais pas quoi faire avec de ta vie. Tu ne sais Because pas quoi faire les you choses don't know how you don't know how to unlock it. Parce que tu ne sais pas comment déverrouiller ta destinée. In the mighty name of Jesus Dans Christ. Le puissant nom de Jésus. Receive the keys this afternoon. Receive the keys. Reçois les clés cet après-midi. Hallelujah. Reçois les clés cet après-midi. So let's carry on where we stopped last time. Donc continuons. The first one. Reprenons parce que là où nous avons arrêté la semaine dernière. La première clé dont nous avons parlé de notre identité. Connaître. You need to know who you are. On doit savoir qui nous sommes.
You need to know who you are. On a besoin de savoir qui nous sommes. You have to know your identity. On doit connaître notre identité. Hallelujah. Hallelujah. Now, the second one is what? La deuxième, c'est quoi? Are you following the teaching? Hallelujah. Est-ce que vous suivez mon enseignement? God is good. Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien? C'est bon? You have to crucify the flesh. On doit crucifier la chair. Now, we spoke about that. You need to change the way you behave. Donc, nous en avons Hallelujah. Parlé la semaine dernière. Nous devons changer la manière dont nous nous comportons. Alléluia. The way you do things, you need to change. La manière dont nous faisons les choses, ça doit changer. You need to get back into the habits of fasting. Nous devons revenir dans l'habitude de jeûner. And you have to sanctify your body, your outward body. Nous devons sanctifier notre corps. Hallelujah. You have to Alléluia. Subdue or subject your body and soul to your spirit. Tu dois soumettre ton corps à ton esprit. Hallelujah. Hallelujah. Today I want to talk about you have to be determined. Aujourd'hui je veux te parler de ce que tu dois être déterminé. You know, determination speaks of being a single-minded person. La détermination nous parle d'être une personne qui est focalisée. You must be fully focused on a single target. Tu dois être focalisé sur un seul objectif à atteindre. Being determined speaks of a promise and a word keeper. La détermination parle d'une promesse et de la capacité de garder ta parole. When you say something, what you say, you stand by it. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu tiens. Talking about determination, parler de la détermination, it talks about perseverance. Il nous parle de la persévérance. It talks about motivation. Il parle de motivation. It talks about endurance. Il parle de l'endurance. And persistence. Et de la persistance. Hallelujah. Hallelujah. Can somebody hear me this afternoon? Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Listen, you have to be determined in whatever you are doing. Tu dois être déterminé dans tout ce que tu entreprends. There are some people their mind is not focused. Il y a des gens dont l'esprit n'est pas focalisé. In January, they said this year I am going to be a bus driver. Donc en janvier, ils te disent cette année ils vont être un chauffeur de bus. The following week, they will say, I am going to be a kitchen porter. La semaine prochaine, ils te disent qu'ils vont être un plongeur. Travailler en cuisine, dans le restaurant. Un plongeur. The next week, they will say that I think I am good in being a footballer. Et puis la semaine prochaine, ils viennent et puis ils te disent qu'ils pensent qu'ils peuvent être bons à jouer au foot. These are the people who are not focused. Et donc ça, ce sont des gens qui ne sont pas focalisés. Their mind is double. Leur esprit est divisé. Now the Bible says, la Bible dit, in the book of James chapter 1 verse 8, in the book of James chapter 1 verse 8, I lost you. Can you hear me? Yeah, now I can. Bear with me, guys. Can you repeat? The Bible says in the book of James chapter 1 verse 8, donc, dans le livre de Jacques, livre 1, verset 8, the Bible says that a double-minded person cannot achieve anything. Une personne qui est divisée dans son esprit ne peut réussir à rien. So if God gave you all these good promises, donc si Dieu t'a donné toutes ces bonnes promesses, then your mind is double, et que ton esprit est divisé, you are not going to reach the promises that God gave you. Tu ne vas pas atteindre ces promesses-là. You have to have a plan in your life. Tu dois avoir un plan dans ta vie. You cannot just flow by the winds blowing from south and west and east and north. Tu ne peux pas juste te laisser porter par le vent qui souffle du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Because that one started doing nails, so you want to do nails now as your. Parce que ta camarade a commencé à faire travailler avec les ongles, donc tu veux être aussi travailler dedans. Because that one started cooking chicken, so now you cook chicken every day.
Lorsque ta camarade est en train de faire cuire du poulet, donc toi aussi tu deviens cuisinière de poulet tous les jours. Because that one has got long hair, so you want to have long hair too. Parce que l'autre a des longs cheveux, donc toi aussi tu veux des longs cheveux. Because that one is wearing long heels to go to church, you want to wear long heels to go to church. Ou qu'une autre parce qu'elle porte des hauts talons pour aller à l'église, toi aussi tu veux porter des hauts talons. You've got to be determined, my dear. Tu dois être déterminé, mon. You need to be on your, you need to be yourself. Tu dois te trouver, tu dois te réaliser toi-même. You need to be single-minded. Tu dois être focalisé. If I give you a piece of paper right now, si je te donne un morceau de papier maintenant, and I tell you what is the plan of your life, et que je te demande quel est le plan pour ta vie, many people will fail this test. Beaucoup de gens vont rater ce test-là. Because there is no plan. Parce qu'ils n'ont pas de plan. There is no focus. Ils n'ont aucun There is no determination. Il n'y a pas de détermination. But you see, Christianity is not stupidity. La chrétienté, c'est pas de la stupidité. You know, people think when you become Christian, everything is spiritual, and that's it. Sit down. Les gens pensent parce que quand tu deviens chrétien, alors tu deviens spirituel. Everything is not spiritual. Tout n'est pas spirituel. You live in a physical body. On vit dans un monde physique. So you also need physical wisdom. Donc on doit aussi avoir la sagesse humaine. You have to use physical knowledge as well. Tu dois aussi utiliser la connaissance physique. You cannot sit in your room and say, oh yes, God say, I am blessed, so I'm going to be blessed tomorrow morning, Monday. No, you are going to be poor. Tu ne peux pas dire, oh, oui, je suis assis dans ton salon, oui, demain, la Bible dit que je suis béni, donc je serai béni demain matin, et être assis dans ton salon. Tu vas être pauvre dans ces cas-là. You need to be determined. Tu dois être déterminé. When you make your plan, stand by the plans. Quand tu fais tes plans, il faut que tu t'y tiennes. You need to be determined. Tu as besoin d'être déterminé. Don't go from one man to another, from one woman to another, from this to this. Be determined. Ne va pas d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, d'une chose à une autre. Sois déterminé. You need to be determined. Tu dois être déterminé. Determination speaks about perseverance. La détermination parle de la persévérance. When we talk about perseverance, et quand on parle de la persévérance, it means that there will be challenges. Ça parle tu vas rencontrer des défis. But you need to overtake the challenges. Et tu dois les surmonter. You know, determination speaks about motivation. La détermination parle de la motivation. You have to be motivated in any situation. Tu dois être motivé quelles que soient les situations. No matter what it is, you need to stand your ground. Quel que soit ce qui t'arrive, tu dois tenir ferme. Remember, it is not you who is fighting. Souviens-toi, c'est pas toi qui te bat. It is God fighting for you. C'est Dieu qui se bat pour toi. So you just need to be standing. Donc tu dois juste tenir debout. You need to be standing. Tu dois juste tenir debout. Be determined in your standing. Sois déterminé dans ce que tu tiens debout. You know when we talk about determination. Tu sais, quand on parle de détermination, we talk about endurance. On parle d'endurance. You know, it is really hard, but you are going to carry on doing Alors, it. C'est vrai que c'est difficile, mais tu vas continuer. It is really heavy, but you will carry the load until the end. C'est très lourd, mais tu vas continuer de le porter. Are you hearing what I'm saying Est-ce que tu entends ce que je te dis? There is a proverb that says. Il y a un proverbe qui dit. It said that a water dripping one by one. Que, une goutte de l'eau qui goutte petit à petit, dripping on a very strong rock, qui va tomber sur un rocher très dur, will finish by breaking the rock. Finira par le briser. Are you hearing what I'm saying here? Est-ce que tu entends ce que je dis? You have to be persistent. Tu dois être persistant. It doesn't matter what it is. Peu importe ce que c'est. Keep going. Tu dois continuer. Keep going. Tu dois continuer. You know, let me tell you about Peter. Laisse-moi te dire à propos de Pierre. Peter was the first human being, full human being. Pierre était le premier homme, complètement homme, to walk on the water. Qui a marché sur l'eau. Peter. C'est Pierre. The only thing that allowed Peter to walk on water. Et la seule chose qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux. It is because his eyes were focused on Jesus. C'est parce que ses yeux étaient consacrés, focalisés sur Dieu. Peter was determined. Pierre était déterminé. To go to Jesus. À aller vers Jésus.
So his eyes were on Jesus. Donc ses yeux étaient sur Jésus. But then as soon as he started having double mind, mais à partir du moment où il a commencé à réfléchir et à se poser des questions et à perdre son point focus, when he started looking around and looking around, quand il a commencé à regarder autour de lui, the water took over him. L'eau l'a submergé. The water he was walking on, et l'eau sur laquelle il était en train de marcher, began to walk on him. C'est l'eau maintenant qui a commencé à marcher sur lui. You know, when you are not determined, donc tu vois, quand tu n'es pas déterminé, all the issues will submerge you. Tous tes problèmes vont te submerger. When you are not determined, quand tu n'es pas déterminé, men will play with you. I'm talking to a woman now. J'en viens aux femmes, les hommes vont jouer avec toi. Because they know you don't have a vision. Parce qu'ils savent que tu n'as pas de vision. They know you don't have a plan. Ils savent que tu n'as aucun plan. A man without vision is a man with no mission. Un homme sans vision est un homme qui n'a pas de mission. A woman without vision is a woman with no mission. Et une femme sans vision est une femme sans mission. When you are not determined, quand tu n'es pas déterminé, people will play you like a yo-yo. Les gens vont jouer avec toi comme avec un yo-yo. Society will play you like a yo-yo. La société jouera avec toi comme un yo-yo. My child, you need to be determined. Mon enfant, tu dois être déterminé. This is the key number three. You need to be determined. C'est la clé numéro 3. You need to be determined. Tu dois être déterminé. It is very important that you know what you're doing and where you're going. Et il est très important que tu saches où tu vas et tu saches ce que tu fais. Hallelujah. Hallelujah. Are you here this afternoon? Que tu entends ce que je te dis cet après-midi. Let me say to those who are here, Sandy, welcome. Sandy, bienvenue. Charlotte Baldwin, you are blessed, Charlotte. Bienvenue, Charlotte. Yeah, anyone that I did not say the name, I am not. Si que ce soit dont je n'ai pas prononcé le mot, ne vous fâchez pas, c'est juste que je ne les vois pas. I'm on a different screen. Je suis sur deux écrans différents, donc je ne vois pas. So I don't see all the names. Donc, je n'ai pas accès à tous les noms. Hallelujah. Hallelujah. Is somebody blessed this afternoon? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? You have to be determined. Tu dois être déterminé. It is very important. C'est très, très important. Let's go to the next one. Alors, passons à la prochaine, la quatrième. Hallelujah. Hallelujah. The next one, you have to keep watch. Alors, la quatrième, c'est que tu dois rester éveillé. Hello. Hello. You have to keep watch. Tu as besoin d'être resté éveillé. That's the next key. Ça, c'est la prochaine clé. You need to keep watch. Tu as besoin de rester éveillé. Bear with me. Patientez avec moi. Father God, we give you the praise. Père, nous te donnons toute la gloire. We give you the first place. Nous te donnons la première place. Take over this service. Prends le contrôle de ce service. In Jesus' mighty name. Dans le précieux nom de Jésus. You have to keep watch. Tu dois rester éveillé. Keeping watch is being on alert. Rester éveillé, c'est rester alerte. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Keeping watch is being is what is being on alert. Rester éveillé, c'est être rester alerte. Bear with me. À patienter avec moi. Just had to close the window. J'ai juste besoin de fermer la fenêtre. The wind was too strong. Le vent était trop fort. Hallelujah. Hallelujah. Keeping watch is being vigilant. Rester éveillé, c'est rester vigilant. It's being on your guard. C'est rester sur vos gardes. Hallelujah. Hallelujah. Keeping watch is being attentive. Rester éveillé, c'est être attentif. It's being watchful, you know. Réveillé. Rester attentif. Hallelujah. Hallelujah. Now, what is happening? Look at when Jesus was in the garden. Donc, regardez quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane. When Jesus was in the garden of Gethsemane, he asked the disciples to go with him. Il a demandé à ce que les disciples viennent avec lui. When they got there, all these disciples started to sleep. Donc quand ils sont arrivés au jardin, tous les disciples se sont mis à dormir. Peter, John and James, they fell asleep. Pierre, Jean et Jacques se sont endormis. When Jesus came and found them, he said, "Oh, come on, you can't even keep awake, you are sleeping."
Et quand Jésus est revenu voir où est-ce qu'ils étaient, il les a vus en train de dormir et il leur a dit, mais attendez, vous ne pouvez même pas rester éveillé quelques minutes? And he told them, you keep, we need to keep watch. Et donc il leur a dit, restez éveillé. Il est important que vous restiez éveillé. Key number four is very important. Et la clé numéro 4 est très très importante. You have to keep watch physically and spiritually. On doit rester éveillé spirituellement et physiquement. There's a story that Jesus spoke about in the parables. Et il y a une histoire dont Jésus a parlé, mais en parabole. There was a rich man who had servants. Il y avait un monsieur riche qui avait des serviteurs. The servants sowed good seed in the farm. Et les serviteurs ont planté des bonnes semences. And then they went to sleep. Et ils sont allés dormir. The rich man also went to sleep. Et l'homme riche aussi est allé se coucher. Now look at what's going to happen. Et donc regarde ce qui va arriver. While the rich man was sleeping, donc pendant qu'ils étaient en train de dormir, the enemy came and sow evil seeds in the field. Donc quand ils étaient en train de dormir, l'ennemi est venu planter de l'ivraie dans le champ. Can you see what I'm saying here? Vous voyez ce que je vous dis? You see, if the enemy, I mean, if the owner was not sleeping. Si le propriétaire n'était pas en train de dormir, l'ennemi n'aurait pas pu planter de l'ivraie dans le champ. It is because the owner was sleeping. C'est parce que le propriétaire est en train de dormir. Many of us, we are sometimes sleeping. Et beaucoup d'entre nous, souvent, on dort. Because of our sleep, things are not working. Et parce que nous dormons, les choses ne fonctionnent pas. Because of our sleep, other people are taking our breakthrough. Et parce que nous dormons, les autres prennent nos percées. It is time for you to wake up. Il est temps pour toi de te réveiller. Because the enemy has sown a lot of evil seeds in your home. Parce que l'ennemi a planté beaucoup d'ivraie dans ton champ. There are many enemies around that want you to have problems. Il y a beaucoup d'ennemis autour de toi et ils veulent que tu aies des problèmes. All what they are waiting for is for you to fail in life. Et tout ce qu'ils attendent en te concernant, c'est que tu échoues. You eat, you go to bed, you are drunk, you don't know, you don't pray, nothing. You need to be awake. Tu pries, tu vas te coucher, tu ne pries pas. Tu manges, tu vas te coucher, tu ne pries pas. Il faut que tu restes éveillé. C'est important. You know, while you are physically sleeping, the devil is working. Pendant que tu es en train de dormir, là, le diable travaille. You just enter a new week. No prayer, no fasting, nothing. Tu entres dans une nouvelle semaine et tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. No spiritual agenda. Il n'y a aucun agenda spirituel. You have to keep watch, my brother, you are watching me. Tu dois rester éveillé, mon frère, ma soeur. You have to keep watch, my sister, you are watching me. Tu dois rester éveillé, mon frère, ma soeur. You need to get up from your slumber. Tu dois te réveiller de ton sommeil. You need to wake up. The time is up for you to wake up now. Parce que le temps est venu pour toi de te lever. Hallelujah. Alléluia. You need to wake up. You need to get up. Il est temps de te réveiller. Many things have been lost. Come on, if you get up now. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses pendant ton sommeil. C'est bon maintenant. Il faut te réveiller. Hallelujah. Alléluia. Keeping watch is what is being vigilant. Rester éveillé, c'est ce qui te donnera de pouvoir rester vigilant. You have to be vigilant in everything that you do. Et il faut que tu restes vigilant dans tout ce que tu fais. Don't leave it for tomorrow. Ne le remets pas demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas demain. Do it. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Keeping watch is being on your guard. You need to be on your guard. Rester éveillé, c'est rester sur tes gardes. Which means there will be attacks coming towards you. Ce qui veut dire qu'il y aura des attaques qui vont venir vers toi. There will be seductive thoughts coming towards you. Il y aura des pensées de séduction qui vont venir dans ton esprit. But you need to keep that watch and say no. Et tu dois rester éveillé, tu dois rester en alerte pour pouvoir dire non. Many of us are going through a lot of issues because they don't know how to say no. Beaucoup d'entre nous passons par des épreuves, des difficultés parce que nous ne savons pas comment dire non. The time has come for you to say no in Jesus' name. Le temps est venu pour de dire non dans le nom de Jésus. Can somebody hear me this afternoon? Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Receive your breakthrough. Recevez votre percée.
Hallelujah. Hallelujah. So we are going to key number six. Donc nous allons à la clé numéro 6. Hallelujah. Hallelujah. Your key number 6 is be devoted to God. Donc la clé numéro 6 c'est soit consacré à Dieu. You have to be devoted to God. Être consacré à Dieu. Devotion to God is to entirely dedicate yourself to serving God. Être consacré à Dieu, c'est se donner complètement, totalement à le servir, dans le service et dans tout ce que nous sommes au nom de Jésus. Is to completely abandon yourself to God. C'est abandonner totalement entre les mains de Dieu. Devoting to God is do what? Put God in the first place. Être consacré à Dieu, c'est mettre Dieu en premier, en toute chose, selon quoi que l'on fasse, c'est Dieu d'abord. You are going to put God above anyone. Et si tu mets Dieu au-dessus de toute autre chose, you will put God above anything. Tu mettras Dieu au-dessus de toute autre personne. You will put God above any place. Tu mettras Dieu au-dessus de toute autre tout autre endroit, tout lieu. You will put God above any situation. Et tu mettras Dieu au-dessus de toute situation. Believers are not devoted to God. Les croyants aujourd'hui ne sont pas consacrés à Dieu. Many people go to church for the simple fact of just going to church. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église parce qu'il faut y aller. Many people go to church in a selfish manner. De chrétiens vont à l'église par égoïsme. They go because they want, most of them, they want a husband. Donc la plupart d'entre eux, ils y vont parce qu'ils veulent un mari. Many of them, they go there because they don't have paper. Beaucoup d'entre nous allons à l'église parce que nous n'avons pas de papier. Many go there because they want to travel. Beaucoup d'entre nous allons à l'église parce qu'on veut voyager. Many go there because they need healing. Beaucoup d'entre nous, on va à l'église parce qu'on a besoin de guérison. And as soon as they receive it, they run away from the church. Et dès qu'ils ont reçu ce qu'ils désiraient, as soon as they receive it, they will find stories about the pastor. Dès qu'ils auront reçu leur bénédiction, ils vont trouver des histoires à propos du pasteur. This is not called devotion. Ça, c'est pas la dévotion, ça. We have to be devoted to God. On doit être consacré à Dieu, parce que ça, c'est pas la consécration. Hallelujah. Alléluia. Is somebody watching me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? I'm going to show you an image right now. Et je vais vous montrer une image maintenant. The image of two sisters. L'image de deux sœurs. And one is called Martha, one is called Mary. Donc il y en a une qui est appelée Martha et l'autre qui s'appelle Marie. You know, it may happen that you are in church Monday to Sunday. Il peut arriver que tu es à l'église du lundi au dimanche. But if your heart is not touched and transformed. Mais si ton cœur n'est pas touché et il n'est pas transformé, all the service you are doing is just sounding brassle. Tous les services, tous les temps que tu passes à l'église, ça sonne comme des tonneaux vides. Are you hearing what I'm saying here? Vous m'entendez? Come on, somebody share our video. Que quelqu'un partage la vidéo. These two sisters. Maintenant, donc ces deux sœurs, Martha and Mary. Martha et Marie. Jesus came to visit them. Jésus est venu les a visités. Avec leur frère Lazare. Now listen carefully. Donc maintenant écoutez attentivement. Martha started to complain to Jesus. Donc Martha elle a commencé à se plaindre à Jésus. About what Mary was doing. À propos de ce que Marie ne faisait Martha pas. Martha was going here, she was cooking here, she was cleaning here. Parce que Martha est en train de cuisiner ici, de nettoyer là. But Mary came to Jesus. Mais Marie est venue au pied de Jésus. Sat by Jesus. Et s'est assise à ses pieds. And she was listening to Jesus. Et elle écoutait Jésus. And she was waiting for the instructions of Jesus. Et elle attendait les instructions de Jésus. This is a two examples of someone who is devoted and someone who is not devoted. Donc ça, ce sont les deux exemples de deux personnes, une qui est consacrée et l'autre qui ne l'est pas. When you are devoted, you don't live for yourself anymore. Quand tu es consacré et dédié, tu ne vis pas que pour toi. You live for the person you are devoted to. Tu vis pour la personne pour laquelle tu es consacré. My dear brother, you know you need to be devoted.
Donc, mon cher frère, tu as besoin d'être consacré. My sister, you have to be devoted. Ma soeur, tu dois être consacré. The key number two, you have to devote your life to God. Donc, la clé numéro 6, tu dois dédier ta vie à Dieu. God is not a supermarket. Dieu n'est pas un supermarché. God is not a shopping center. Dieu n'est pas un centre commercial. You don't just go to God when you want food or when you want man or when you want woman. Quand tu vas pas à Dieu juste quand tu as besoin de nourriture, d'un mari ou d'une femme. You don't just go to God when you want your child, you want to conceive a baby. Tu vas pas à Dieu juste quand tu as besoin d'un enfant. You need to go to God. Tu as besoin d'aller à Dieu. At all time. Tout le temps et en toutes circonstances. You need to belong to God. Tu as besoin d'appartenir à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Somebody sharing our video. Est-ce que quelqu'un partage la vidéo? Come on now, I want partageons, to partageons, let's partageons. There. Let's stop there. Let's share. I want people to share. Give me five. Donc, arrêtons, on s'arrête 5 minutes et puis on partage. Those who are online right now. Ceux qui sont online actuellement. Come on now, five shares. Allez, partagez à 5 personnes. Partageons let's do it, let's do it, let's do it. Allons-y, faisons, partageons. Five shares. Partageons. Five shares. Partageons. Alléluia. You are blessed. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. You are blessed. Five shares. Partageons. Benaka, you are blessed. Five shares. Come on, somebody. Partageons. Vous êtes bénis. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le précieux nom de Jésus. Come on now, five shares. Allons-y. Cinq partages. Come on. Cinq partages par personne. Alléluia. God is good. Dieu est bon. And all the time God is. Et tout le temps Dieu est bon. God is good. Hallelujah. Let's carry on. Allons-y, continuons. Key number 7. La clé numéro 7. And that's where I might stop. Et c'est peut-être que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia. You have to exercise wisdom. Tu dois être rempli de la sagesse et de la mettre en pratique. Yes, you have to use wisdom. Tu dois mettre en pratique la sagesse. Tu dois utiliser la sagesse. Hallelujah. Excuse my language, but some Christians sometimes they act with stupidity. Ah, excusez mon langage, mais parmi nous, les chrétiens qui agissons avec stupidité. There are some Christians who are sometimes stupid. Il y a parmi nous, il y a des chrétiens qui sont stupides. They become so spiritual they forget that they are not living in the spiritual. Ils veulent tellement être spirituels qu'ils en oublient qu'ils ne sont pas dans un monde spirituel. If you don't go to school, you will not get the qualification. Simple. Si tu vas pas à l'école, tu n'auras pas tes diplômes. If you don't study, you're not going to get that job. Simple. Si tu n'étudies pas, tu n'auras pas ce travail. C'est simple. I mean, some people they are fasting for 21 days. I don't want to go to university, but I'm going to get that job by fire, by thunder. You are just wasting your time. Alors, il y a des gens qui vont jeûner pendant 21 jours, mais ils vont pas vouloir aller à l'école, et puis ils vont pas vouloir aller à l'université, puis ils vont se dire, j'aurai ce travail par le feu et par le tonnerre. Tu ne l'auras pas, c'est ridicule. Wisdom is the principal thing. Donc, la sagesse est la chose principale. So you have to apply it in every situation. Donc tu dois l'utiliser dans toutes tes circonstances. When God created the world when God created the world, quand Dieu a créé le monde, He created food before He created man. Il a créé la nourriture avant de créer l'homme. Some of us today we create man before we create food. Parmi nous, certains d'entre nous créons la nourriture avant de créer, nous créons l'homme avant de créer la nourriture. That's what we're doing today. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Many people they are running before they can walk. Il y a des gens qui courent avant de pouvoir marcher. Like I was saying last week. Comme je disais la semaine dernière. What we spend money on. Beaucoup d'entre nous, l'argent que nous dépensons. Then I use a mobile phone costing more than 1,000 pounds. Nous achetons des téléphones qui coûtent plus de 1,000 pounds. And the house you are living in, you are renting. You don't even have a quarter of the deposit to buy the house. Et dans la maison que nous louons la maison et nous avons pas un quart du dépôt. I don't think this is wisdom. Je crois pas que ce soit la sagesse. You have no possession. Tu ne possèdes rien. But then you are planning to buy the latest car.
mais tu comptes acheter le dernier, la dernière voiture. You don't have any asset. Tu n'as aucun fonds. And then you are the one who wants to have the Louis Vuitton handbag. Mais tu es celui qui veut, tu n'as aucun fonds, mais tu veux acheter le dernier sac Louis Vuitton. The shoes you are wearing, Gossipi, how do you call it? Gossipi or whatever. A shoe that will cost 500, 600 pounds. Donc tu as une chaussure de marque qui peut coûter 500 à 600 pounds. A t-shirt that will cost 300, 400 pounds. Un t-shirt que tu vas coûter 200 à 300 pounds. And you are renting your house. Mais tu loues ta maison. You know, listen, I gotta be straight. This is a bit stupid. Alors, je vais être direct avec vous, c'est stupide. Christians do not use wisdom. Les chrétiens ne font pas preuve de sagesse. They think everything is spiritual. Ils pensent que tout est plus spirituel. No, we live in a physical world. C'est pas le cas, on vit dans un monde physique. You need to walk before you start running. Tu dois besoin de marcher avant de pouvoir courir. There are some purchases that you don't need to do them right now. Sorry. There are some purchases. Il y a des achats que tu n'as pas besoin de faire maintenant. Ils ne sont pas nécessaires. There are some purchases that are not necessary right now. Il y a des achats que tu n'as pas besoin de faire. You need to be wise. Tu as besoin d'être sage. Are you hearing what I'm saying here? Tu entends ce que je te dis? Somebody come to you talking about some other person. Non, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te parle de quelqu'un d'autre. Tell him to go away. Dis-leur de s'en aller, de partir. Because when you participate with the person, parce que quand tu vas prendre part à ce qu'il est en train de faire, tomorrow he will take your own issue outside to someone else. Demain, il prendra ce que tu lui auras raconté pour aller le raconter à quelqu'un d'autre. You have to use wisdom. Tu dois faire preuve de sagesse. You have to exert wisdom. Tu dois être sage. You need to stop being dumb. Tu as besoin d'arrêter d'être stupide. You need to start saving money. Tu as besoin de commencer à mettre de l'argent. Nobody can tell me that it is impossible to save. I have too much expense. Personne ne peut me dire qu'il est impossible de faire des économies parce que tu as trop de dépenses. It doesn't matter the expenses. Peu importe les dépenses. You need to divide your income into saving. Tu as besoin de dépenser. Tu as besoin de diviser ton salaire. You have to divide une partie, it. Une partie pour ton économie. It's not all the bills you have to pay in one go. You need to divide. When the money comes in, one part of the money is saved. The rest will go to expenses. Donc, quand tu reçois ton salaire, tu dois mettre une partie de côté pour tes économies et le reste ira pour payer tes factures. Why would you go take a loan and take the money and go and spend the money in Nando's and KFC and chicken and chips and all this? Why will you take a loan to spend the loan on your belly? Pourquoi est-ce que tu vas aller prendre un prêt, demander un crédit, prendre un prêt et puis tu vas maintenant dépenser ce prêt-là sur ton ventre, acheter des choses pour la nourriture? If I take a loan today, si je prends un prêt aujourd'hui, I will invest in my business. Je vais l'investir dans mes affaires. And this is what I am advising you. Et c'est ce que je te suggère. You have overdraft on your bank account. Tu as un découvert sur ton compte bancaire. And you use the money to buy beer, to buy vodka. Are you crazy? Come on. Et tu utilises ce découvert là pour payer de la bière, pour payer de l'avocat. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? You need prayer for this. You need on prie pour toi pour ça. You need wisdom. Tu as besoin d'être sage. We have been blaming the devil for everything. Nous avons accusé Satan. Accusé le Satan pour toute chose, pour tout. Do you know the devil is not omnipotent, meaning that it cannot be everything? Est-ce que tu sais que Satan ne peut pas être à tous les endroits? Do you know the devil is not omnipresent? It can't be everywhere. Il n'est pas présent partout à la fois. Do you know the devil is not omniscient? He doesn't know everything. Et sais-tu que le diable ne connaît pas toutes choses? So you need to stop blaming the devil and then you start using wisdom. Excuse me? You need to stop blaming the devil and use wisdom. Tu dois arrêter de blâmer l'ennemi, d'accuser l'ennemi et être sage. Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes?
I receive some prayer requests from a. Donc je viens de recevoir des requêtes de prière. And the guy said to me. Et la personne me dit. That there is a disciplinary hearing. Qu'il y a une entrevue disciplinaire. Because he doesn't come to work on time. Parce qu'il vient pas au travail à l'heure. Because they found something in his pocket which he was not meant to take home. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans sa poche qu'il n'était pas supposé avoir pris pour partir à la maison. So he said, "Pastor, pray for me, oh." Alors donc il me dit, me demande que pasteur, il me dit, pasteur, prie pour moi. Let the fire of God work for me. Que le feu de Dieu travaille pour moi. I said to him, "My brother, you are a fool. You are a fool." Je lui ai dit, mon ami, tu es un fou. I said, "This time they are going to fire you." Je lui dis, cette fois-ci là, ils vont te renvoyer. I'm giving you prophecy. I tell him. Et donc je vous donne la prophétie. Je lui ai dit, voilà la prophétie. I said to him, "This is the fourth time this happens." Je lui ai dit, ça fait la quatrième fois que cela arrive. He said yes. Il m'a dit oui. So I said to him, "This time they will fire you." Donc je lui ai dit, cette fois-ci là, ils vont te renvoyer. You don't need anointing. Tu n'as pas besoin de You are chose. Stupid. Tu es stupide. You go to work and then the work you are working, you go there to steal from them. Tu vas au travail et le travail dans lequel tu vas, tu voles. And you go to work late. Et tu vas travailler en retard. When you did not have that job. Quand tu n'avais pas ce travail. You were fasting and praying. Tu jeûnais et tu priais. And now you got a job. Maintenant que tu as le travail. You are relaxing. Tu te relaxes. Your alarm is ringing. You want to sleep 5 more minutes. Ton alarme se déclenche. Tu veux dormir 5 minutes de plus. Are you the Chris? Are you the Chris? Ça va pas. What is your problem? Quel est ton problème? You know, sometimes the devil is laughing at us. Et des fois le diable il se moque de nous. Because we are putting all these stumbling blocks before ourselves. Donc nous mettons tous ces obstacles devant nous. You have to use wisdom. On doit utiliser la sagesse. You are driving your car and you are speeding, over speeding. Oh, let me get there first. Tu conduis et tu dépasses la vitesse limite, la limite de vitesse. And then the camera, the speed camera flash you. Et la caméra et les radars te flashent sur la route. And now you are going, "Oh, Father God, let your fire work. Let your Et maintenant fire. Tu dis que Dieu Tout-Puissant, que ton feu descende. Father God, can you cancel that camera that flashed Est-ce my Est-ce que tu peux faire du père mon Dieu, tu peux quand tu peux annuler cette something's wrong, something's wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Do you think that God is a magician? Est-ce que tu penses que Dieu est un magicien? Why were you speeding in the first place? Pourquoi est-ce que tu allais trop vite en premier Why lieu? Why did you abide by the law of the government? Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi les lois du gouvernement? If in the Bible, in the book of Romans chapter 13. C'est dans le livre de Romains 13. 13. Alléluia. Alléluia. We have to use wisdom. On doit utiliser la sagesse. We have to use wisdom. On doit être sage. Child of God, use wisdom. Enfant de Dieu, tu dois être sage. Wisdom is part of the keys for your. Et la sagesse est une des clés pour pouvoir déverrouiller ta destinée. If you don't use wisdom, you know you will bypass your breakthrough. Et si tu n'utilises pas la sagesse, si tu n'utilises pas la clé de la sagesse, ta percée va passer à côté de toi. Tu ne l'auras pas. Alléluia. Alléluia. You got that job, and then I hear a Christian going like, "Oh, you know, I don't need to put the alarm on. The Holy Ghost will wake me up in the morning." Donc tu as eu ce travail et puis j'entends des chrétiens qui disent j'ai pas besoin de mettre mon alarme j'ai pas besoin de mettre mon alarme parce que le Saint-Esprit va me réveiller lui-même. You know, I know the Holy Ghost can do that. Et je sais très bien que le Saint-Esprit peut faire ça. But wisdom will compel you to actually move on and set your alarm. Mais la sagesse va te pousser à mettre ton alarme à la mettre en marche afin qu'elle puisse hallelujah, te réveiller. Alléluia. Alléluia, alléluia. You need to use wisdom. Tu as besoin d'utiliser la sagesse. You cannot, you see, run before you start walking. Tu ne peux pas commencer à courir avant que tu puisses marcher. There are many things I could say right here. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire maintenant. If you are watching me, si vous me regardez, I encourage you if you have to go to school. Je veux vous encourager à ce que si vous devez aller à l'école, allez-y. Go to school.
aller à l'école. It's never late. Et c'est, il n'est jamais trop tard. You will learn there. Tu vas apprendre quelque chose là-bas. I dropped out of school several times. J'avais laissé tomber l'école il y a quelques années. And I said to myself, oh, it's not going to work. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. But the Holy Ghost told me, no, it can work. Go back there. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, ça va marcher, retourne-y. And I went back there and I carried on. Et je suis retourné et j'ai continué. And today I have finished it. Et aujourd'hui, j'ai terminé. I am happy with my career. Je suis content avec ma carrière. I'm so happy. That's what I wanted to do. C'est ce que je voulais faire. Je suis trop content. You can do the same thing. Tu peux faire la même chose. Go to school. Va à l'école. If you're working and your work is good, go to your work. Si tu travailles et que ton travail est bon, va travailler. Do not turn everything into spirit. Ne tourne pas les choses, toutes les choses spirituellement. Because we live in the physical world. Parce qu'on vit dans un monde physique. Hallelujah, hallelujah. Alléluia, alléluia. Is somebody blessed this afternoon? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Somebody blessed this afternoon. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? I'm happy to have you online here with me. Je suis content de vous avoir online avec moi cet après-midi. So because our time is up. Et parce que notre temps est arrivé à sa fin. I have to stop there. On va devoir s'arrêter maintenant. And then next week. Et la semaine prochaine. We are going to finish it off. On finira. Now, before the week, before next week, I will give you some announcements. Et avant la fin de la semaine prochaine, je vous donnerai des annonces. Because I'm not sure about the reopening of the services fully. Parce que je suis pas sûr de la réouverture des services. But because I know that we are open, and but there are some some restrictions. Yeah. Donc, je sais que nous sommes ouverts, mais il y a des restrictions par lesquelles nous devons fonctionner. Donc, so I'm going to make sure that everything is sorted out, everything is checked, and then I will let you know how we're going to have our online service and the church service. We'll see how we're going to do it. God is good. Donc, je vous tiendrai au courant en ce qui concerne la tenue physique de nos services ou online. Une chose est sûre, c'est que Dieu est bon, et donc je vous laisserai savoir. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Okay, so we have actually finished. Donc, on a fini. Val de Val, you are blessed. Rebecca, oui. Bacalac, you are blessed. Vous êtes béni. Titi, you are blessed. Louise Adams, you are blessed. Rebecca, Anta Mireille, Esther. Anta Mireille, vous êtes béni. Aha, Cynthia. Cynthia, vous êtes béni. Sandy Kaba. Kadiatou, tu es béni. Solange, tu es béni. Okay, so many of you, some of you, I don't see your name anymore. It's gone. Beaucoup d'entre vous, je vois pas votre nom, mais vous êtes béni. Thank you for watching and thank merci you d'avoir regardé, service today. D'avoir suivi ce service aujourd'hui. Thank you for these keys that you are going to apply in your life. Et merci de ce que vous allez mettre en application. I pray that the favor of God be upon you. Et je prie que la faveur de Dieu soit let sur the vous. Favor of God locate you. Que la faveur de Dieu vous localise. Let the favor of God locate you. Que la faveur de Dieu vous localise. Right now, receive it. Maintenant, recevez. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Receive right now. I pray recevez for you. Dès maintenant. This new week. Cette nouvelle semaine qui arrive. Let it be a week of breakthrough for you. Qu'elle soit une semaine de percée. This week beginning. Cette semaine qui arrive. Let the week be a week of restoration. Que cette semaine qui arrive soit une semaine de restauration. The month of June is going to end. Donc le mois de juin va finir. Let that month end with your struggles. Et que ce mois se finisse avec vos difficultés. Let that month end with your problems. Que ce mois de juin finisse avec vos problèmes. And as you enter the new month this week, et alors que vous allez rentrer dans le nouveau mois cette semaine, let the favor of God enter it with you. Que la faveur de Dieu entre avec vous. You are blessed. You are blessed. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Thank you very much, Evangelist Maka. You've done really good. You are blessed. Vous êtes béni. Tu es béni. Have a wonderful Sunday. Passe un bon dimanche. Hallelujah. Hallelujah. Bye bye to everyone. Likewise, Pastor. Likewise. Yes. The same. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye.